clap. Clap. Salut tout le monde, c'est Jacter Sadis, le cours reprend enfin Forza Horizon. Mine de rien, moi ça commence à me manquer ce jeu. Vraiment, j'y ai pas joué. Donc on se retrouve en solo parce que bah, apparemment en claustrophobie vous avez été quelques-uns à m'envoyer des demandes, mais alors, je sais pas si c'est effacé entre temps ou pas, parce que moi, je sais pas, je vois pas de... Je vois pas de demande en fait. Je sais pas. Peut-être je suis juste Miro. Par contre, Carge du Club, vous m'avez bien dit que en fait ça. C'est plus ou moins une copie de la bagnole en ligne et puis que tout le monde peut la prendre. Mais ouais, bah écoutez, vous avez été deux ou trois à me dire que vous avez une invitation, mais moi j'ai rien du tout. Eh bien, je suis vraiment très très aveugle. Bah donc je sais pas si c'est moi qui suis juste aveugle ou quoi. Sinon Forza Horizon entre temps ils ont ajouté le mode Mi Club, je sais pas quoi, qui consiste à choper à faire un défi pour chaque bagnole si je suis pas de conneries. Je suis pas trop intéressé, ça m'intéresse pas. Me faire chier comme ça pour que dalle. Alors, très parti. On est samedi. Donc la dernière fois, vous avez vu ce que ça donnait quand j'ai fait une partie de week-end. Niveau connexion, mais là en ce moment, elle a l'air de plutôt bien aller. Donc bon, on va espérer que ça passe. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu le droit comme demande ou truc sur... Ah oui, le mode rallye, je rappelle que j'en ai strictement rien à cirer. Pour moi, c'est de l'arnaque, voire... du vol en plein jour devant toute forme d'autorité existante au monde. Pas sous de ma gueule, 1600 points pour 5 bagnoles et 25 circuits qu'ils peuvent faire totalement gratuitement dans le fond. Voilà quoi. Il y a des moments où faut arrêter les conneries quoi. Pour 3 pièces d'amélioration spéciale. Ouah, c'est vrai que ils ont dû à mort bosser pour réussir à le faire ça. Mon dieu! Je m'en veux limite de dire que c'est de la merde! Je sais pas ce que c'était comme tracé, donc du coup on va prendre GTR. Sur asphalte. Allez, pour dire de changer. Je pensais que j'ai pas refait la peinture de la GTR. Par contre, j'hésitais pour cette session à mettre sur sur une clé USB de comment s'appelle des musiques d'Initial D juste pour le lol, mais je me suis dit que c'est pas vraiment un genre que tout le monde aime, donc on va peut-être vous épargner ça. Peut-être pour une prochaine, pour le lulz. Voir comment ça se passait, parce que mine de rien, ça fait genre un mois que j'ai pas dû jouer à ce jeu, moi. Ouais, c'est comme un vélo. Tu montes, tu te pètes la gueule, et après, ça remarche.
Espérons pas tomber sur des connards comme d'un coup. Niveau connexion, ça a l'air d'aller cette fois. Pour recommencer, prendre une propulsion en fait puissante, c'était peut-être pas forcément le bon plan. Ouais. Peut-être faire un peu de la merde. Normalement ça va, sur le circuit, j'ai toujours coupé bien. Faut juste pas que j'oublie qu'à un moment, il faut freiner parce que sinon à chaque fois c'est de redirection de droit dans le mur. Par là, j'ai un peu surfreiné quand même. Et apparemment, ça n'est pas trop grave, étant donné que je suis en train de quand même les rattraper. Par contre, j'ai l'oasis qui ne me réussit pas du tout. Ah la vache! J'ai passé comme un pro. Je fais de la merde, moi. J'avais peur de finir tant de pare-choc arrière de l'autre 520 en face. Oups. De rétrograder. Oups, ça dérape. Vous l'avez pas vu, mais ça fait depuis un moment en fait que je suis en train de me battre pour garder la voiture droit. J'avais pas moyen, juste avec la vitesse à laquelle arrivait, c'était. C'était compliqué. Bon. Bon bah cinquième. Mais les mecs quand même, ils ont envoyé du bois en face. C'était pas mauvais. Comparé à ce que j'ai l'habitude de tomber, quoi. On va dire. J'ai encore un pack que j'ai oublié, putain, c'est pas vrai. Je les ai tous en téléchargé il n'y a pas deux minutes. Je vais juste être mauvais. Oh, dommage, j'aurais trop voulu avoir la mini. C'est pour le lol, allez! Allez! Alors allez, vous êtes pas drôle! Mi! Bande de méchants! Bon, on se cache aussi à la bagnole.
Bah c'est pas en cette catégorie-là que j'avais fait la 246. Non. Bah je vais prendre ma Skyline, allez. Plus surface mix, ça tombe bien. Bunker Dirt Sprint. Rien que dans le nom, t'as bunker, qui en général désigne, peut aussi désigner un truc de sable dans le cadre du golf. Et dirt, qui veut dire terre. Et sprint. Et surface mixte, à mon avis. Quelque chose Magic vaut peut-être mieux prendre une 4 roues motrices pour cette épreuve-là. Ben. Moi j'ai ma GTR, au-dessus il y a une Lancia Delta, 4 roues motrices. Et vos 6, 4 roues motrices. Et vos 8, 4 roues motrices. Donc globalement, on est quand même tombé avec des mecs assez intelligents. Voilà, encore une 6. Et puis bah. Le mec vient de débarquer qui a eu le droit à sa magnifique Ford GT. Celui-là, s'il arrive premier, c'est qu'on a vraiment fait de la merde. Après, ça peut arriver, hein. Ça virage, j'arrive un peu trop vite. Pas assez de freinage et hop là. Tout le monde au tas. Ah d'accord, c'est celle-là en plus. Ah, que j'avais dit. Bon, le temps que tout le monde se plante comme des grands et puis qu'il me laisse passer. J'aurais plutôt dû prendre la soupe quand même. Mais c'est pas vrai, pourquoi c'est qu'il y a que des voitures téléchargeables ce mec? Juste pour me troller, le mec il a fait toutes les voitures du seul pack que j'ai pas. C'est pas c'est moi qui ai un problème ou quoi, mais vraiment vas-y, j'aime pas. Il s'orange en plus, pourtant maintenant je mets l'orange. Et pourquoi est-ce que je persiste à en boire? C'est parce que tout simplement j'ai pas de flotte sous la main. Allez, essaye. Faites pas vos fitafiotes, Montrez que vous avez du skill, bordel!
Sur Asphalt, Melrose Avenue. Allez, la Camaro. Vraiment, sur le multi de ce jeu, ils ont vraiment quand même fait pas mal de merde, quoi. Ça coûtait vraiment rien du tout de rajouter le tracé dans un cadre quelque part, quoi, pour voir à peu près ce qu'on a à faire. Il y a beaucoup de virages, pas trop de virages, beaucoup de lignes droites. Comment ça se passe? Ou pareil, au début de la course, mettre 30 secondes on s'appelle de noclip, puis c'est fini, quoi. Ça évite d'avoir des chocs. Comme pas possible dès le premier virage, quoi. Route ce moteur. Calme là. C'est vraiment pas une bonne idée, c'est de couper un peu par l'air. Pour éviter de me faire entrer dedans. Enfin, pour éviter de me faire entrer dedans aussi, ça avait été une bonne idée, mais... Bande de cons! Prenez à freiner, bordel! Moi je fais du poing sur son cul. L'autre, il y a carrément bugué dans la barrière, quoi. Ça a quand même demandé un peu de temps de réadaptation, cette histoire. D. Je veux du D. Ah, il y en a d'autres qui sont partis pour le LOL. Oh oui, du D. Ouh, là va y avoir du prestige. Là, ça va envoyer du steak. Oh, puis j'ai rien en plus en catégorie D, merde. Ah non. Pourquoi? Bon, bah, c'est ça que j'ai mis apparemment. Et puis ça va jusqu'à 300. Merde. Oups. Ouais, je pourrais garder la Barthe, mais ouais, non. T'as vu. Bon, peut-être pour plus tard, quelle voiture en catégorie D?
Je sens que le départ va être canon. Le départ, toi, tu vas Il me manquait pas une remise? Parce que j'étais persuadé de les avoir tous eus, moi. Je suis à fond, les pneus dérapent même pas, quoi. Ça va aller, ouais. Tu le dis si ça manque de place, hein. Notez que ça fait de 500 là. Cette voiture de caisse à moule, quoi. Oui, caisse à moule, parfaitement. Ça n'existe pas comme expression. C'est spécial pour la chaîne Jack Tarsenus. Ah ouais. En avant-première, bientôt sur vos écrans. C'est pas top à tenir une route de cette merde! Ah la vache! Ah mais elle est partie en dérapage, mais toute seule comme une grande, quoi. Pas de soucis. Vous voyez, un instant elle tient très bien. L'instant d'après, il n'y a plus rien qui va. Normalement, quand vous avez l'habitude de jouer, vous sentez aux vibrations que la manette fait et que... bientôt, si tu continues à faire le malin, ça va décrocher. Alors là, celle-là, elle prévient que dalle. En même temps, je crois que la manette déconne. Du moins la batterie. En tout cas, si je débranche le câble... Il n'y a plus rien. Je crois qu'il y a ma batterie qui est naze. Ça m'étonnerait, pourtant j'y ai pas... Je suis pas genre laissé brancher ou quoi. Ah, ah ça marche. Bon. On dira ce qu'on voudra, mais au moins les filaires, il n'y a pas de problème. Voilà, là il y en a qui veulent du LUNS, bon. Choisir voiture. Ah bah obligé. Oh, dis quoi trop. Subaru 22B. Ah, il risque d'y avoir de la concurrence sérieuse là quand même. Alors la gueule, j'ai un léger doute. Bon, les mecs ont prouvé qu'ils savaient quand même à peu près prendre un virage.
Allez. T'évites de me rentrer dedans, s'il te plaît. Merci. Bon, maintenant, j'ai la route pour moi. Dis-le si je te gêne, mais putain, mais c'est quoi ces abrutis, mais apprenez à jouer. Putain, si j'ai l'occasion, je te rate toi. Ah, tu vas pas me faire la même, toi. Bah si, si. Ah si, ça sert à rien. Bon. Oula, il n'y a pas une couleur ici. Vous êtes sérieux? Évidemment, tout le monde prend rien de vue. Ah, tout le monde sauf un. Ouais, alors le problème c'est qu'est-ce que je prends comme bagnole. Bon allez la MX6. Chier. Faut pas se mixte. Putain. En fait. Le gros problème, c'est que y a pas de course, enfin de circuit, de tracé, qui colle avec l'utilisation d'une voiture d'une puissance supérieure à la classe S, simplement les R3, R2, R1, ou aucun circuit intéressant pour rouler avec. Parce que là, on tape quand même dans la voiture qui normalement est montée façon caisse de course, quoi. Là, c'est de la pure course, quoi. C'est pas du grand tourisme, c'est vraiment du gros bourrin, quoi. Et on nous balance sur des courses de terre ou des routes complètement défoncées avec des bosses comme pas possible. Alors
Alors c'est vrai que maintenant que j'y pense, logiquement, en genre de festival, ils installeraient une espèce de mini vrai circuit qui tiendrait la route, quoi. En béton, bien sûr. Hein. Et genre, comme avec les plaques qu'ils ont mis pour les 0 points du festival, quoi. Bon, je suis encore tombé sur des gros bourrins, j'ai l'impression, et du lag. Me demandez pas ce que j'ai fait, je sais pas moi-même. J'ai une soudaine envie de partir à gauche. Du coup, je suis parti à gauche. Ah ouais, ça l'accélère quand même. Qu'est-ce que... Quoi? La bagnole dérape à droite, je tourne aller à droite en plus, et la secoue s'en met sur la gauche. Qu'est-ce qu'il y a un comportement, mais super chelou. Ben après ces deux courses bien pourries, et ben on va changer de mode. Putain, mais deux courses à chier de suite, j'ai perdu toute ma motivation, c'est abusé. Bon, ouais, c'est en pure skill. Bah normalement les mecs qui y vont ils savent jouer. Merde, en cours 3 sur 3, 1 sur 3. Ouais. Sympa, tu mets dans une partie qui est sur le point de finir quoi quand même. Ah, oh, non, j'ai dit une course qui est sur le point de se finir, pas la même que tout à l'heure, s'il te plaît. Tu vas pas me dire que c'est la seule course disponible. C'est pas le seul accueil existant dans cette foutue catégorie, bordel de merde. Ah, bah voilà. Plus qu'à espérer que ça lag pas. 458 spider.
voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être un massacre, mais bon. Bon, je suis dernier au moins. Il suffit de me faire entrer dans le cul. On a un, il a pas démarré. Il a calé. Ah, ça commence. Ah d'accord, c'est la descente. Apparemment ça sert à rien de jouer le week-end, il n'y a que des mecs qui savent pas jouer. Oui, je suis dans l'intérieur du virage, oui, c'est pour ça que quand tu tournes, ça tape. Donc t'es prié de veiller à ce que ton volant ne tourne pas un peu trop vers la droite, histoire d'effleurer ma putain de carrosserie, ma putain de caisse de merde. Merci. Oui, il fallait freiner, connard. Oui, j'ai eu un énorme coup de bol. J'ai un peu fait du forcing là. Ah non, j'ai gagné. Ah, en plus, j'ai beaucoup passé ma vitesse là. Alors, bizarrement, Working Pro machin. Il a pas un gros level. Et pourtant, il a conduit façon fair play. Il a vu que j'étais dans l'intérieur du virage, il m'a pas foncé dedans. Ou bien c'est juste qu'il est arrivé trop vite et qu'il a pas pu tourner assez pour me foutre dans le cul. Va savoir, mais je préfère partir du principe. Il avait un niveau 9, mais il sait jouer. Ça fait du bien à mon mental. Putain, de ça, il se lève vachement vite dans la région. Il y avait une civique, fallait filer la civique. Pagani Zonda. Alors, ce qu'il y a comme couleur. Je peux pas choisir un truc ? Bah, il me semblait qu'on pouvait. Bon. Ah, c'est parce que j'étais dans mon garage, peut-être.